Le nombre de résidents en principauté n'a cessé d'augmenter ces trois dernières années, comme en témoigne une étude menée par l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Une évolution qui traduit ainsi d'une certaine façon la bonne santé de l'accueil en principauté, même si de nouvelles mesures vont encore être initiées, en plus de celles déjà entreprises, comme la mise en place du CSA, la Monaco Business Office, les simplifications administratives ou encore la modernisation des supports Internet. L'accueil est un facteur d'attractivité et nous devons donc tous nous mobiliser pour améliorer l'accueil encore en principauté. L'accueil, il doit être au niveau de l'excellence que représente Monaco d'ailleurs, à la fois pour des personnes qui souhaitent investir en principauté et à la fois résider ou même venir en simple touriste. Donc c'est en fait une mobilisation à la fois du secteur public et du secteur privé. Il va y avoir un label de l'excellence de l'accueil. Pour avoir ce label, des commerçants volontaires vont s'auto-évaluer, être évalués, améliorer donc leur accueil. Et la même chose dans les services administratifs. Déjà, dans une dizaine de services administratifs, il y a une feuille d'évaluation de la manière dont l'accueil est réalisé. Et chaque usager qui vient est prié de remplir ce questionnaire. Il y a, je dirais, deux lignes directrices qui se sont dessinées. La première, c'est qu'effectivement, l'accueil dans un certain nombre de pays, notamment asiatiques, aux États-Unis, s'est amélioré. C'est amélioré pour des raisons, je dirais, sans doute liées au fait que l'expérience des professionnels a primé sur le reste. Alors c'est vrai qu'à Monaco, l'accueil globalement est excellent. Il faut dire les choses telles sont. Mais il peut être amélioré. Et je vais vous donner un exemple. Dans un domaine un petit peu particulier, c'est le domaine hospitalier. Le directeur de l'hôpital a participé également aux réunions qui ont eu lieu donc sur la réflexion du maire général sur l'accueil. Et lorsqu'il a pris la parole, il nous a parlé un certain nombre d'expériences menées à l'hôpital. Il nous a dit, écoutez, l'hôpital de Monaco est certainement un des meilleurs qui existent dans l'Europe occidentale. Mais, a-t-il ajouté, nous pouvons encore faire mieux. Mais c'est exactement, si vous voulez, l'orientation qu'on en a. L'accueil est excellent à Monaco, mais on peut encore faire mieux. Et on peut encore faire mieux en améliorant encore la formation, en donnant surtout le sentiment que, à Monaco, on n'a pas de pétrole, bien sûr, mais on a les moyens, à cause de la petite taille, de faire des choses extraordinaires. Autre élément indéniable qui favorise l'accueil et qui demeure ainsi des facteurs d'attractivité, des finances et une économie saine, l'absence de dette publique, comme l'a d'ailleurs souligné le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini. Les travaux en cours et à venir en principauté au centre commercial de Fontvieille, à l'héliport du côté du Larvotto et l'extension en mer contribuent aussi à renforcer l'accueil et l'attractivité. Autre élément, le fait d'évoquer la destination Monaco dans le monde, mais pas uniquement sur le plan touristique. Je l'ai dit au club de l'écho, je pense qu'il faut se remettre en question de façon permanente. Il faut travailler en matière d'accueil sur réactivité des personnes vis-à-vis d'un certain problème. Enfin, à l'étranger, nous allons créer et développer ce que nous avons déjà fait, le Team Monaco qui va essayer de réunir les différentes ressources de la principauté pour démarcher, c'est le cas de le dire carrément, des prospects à l'étranger. L'accueil qui sera de nouveau au cœur de l'actualité puisque le plan et le label Monaco Welcome seront présentés le 18 mars au ministère d'État.